salade, soupe de miso. C'est un café d'inspiration coréenne. Ça va, l'image passe maintenant. Merci. Il y a probablement un gros délai, mais si ça marche, c'est l'essentiel. Message qui arrive, la connexion qui est toujours là, c'est bon. Un filet de hareng, on va dire généreux, bien cuit avec une sauce douce pour une dose de riz adulte normal. Une salade taille tout à fait respectable. Alors en fait, c'était ma question. À ton avis, ça me coûte combien ce repas? Tu mettrais combien pour ça? T'es déjà venu au Japon, t'as dit? Non, ok. Donc au Japon, la bouffe, c'est moins cher dans les restos qu'en France, largement. Si je t'offre la carte, j'ai pris le menu d'entrée de gamme qui est là.
celui-là. Ça va dans le 7 tour. 500 yens. Bonjour Red. Donc, je vous laisse utiliser Convert pour vous faire une idée de combien ça fait en euros. Et c'est 500 yens taxes inclus désormais. Hein. Donc, bonne affaire. Avec du vrai riz. C'est ça qui est mis en Japon. Manger dehors peut ne pas coûter cher. Techniquement, ils s'en vendent pas. Là, ils pourraient dire que c'est en fait un menu, une pièce. Parce qu'il y a des pièces de 500 yens. Donc leur menu coûte une pièce dans ton portefeuille. Parce qu'en fait, comme ils ont des plats coréens sur leur plateau, il y a des baguettes, mais ils filent aussi une cuillère. Donc pour ceux qui ont des problèmes pour finir les plats avec les baguettes, c'est quand même super cool d'avoir une petite une cuillère pour finir son plat. Ouais, mais à l'arrivée, les restos, ils ont l'habitude de faire plus de marge sur la boisson. Et puis, en fait, ils achètent dans des quantités et dans des conditions qui sont largement meilleures que ce qu'on a dans les supermarchés. Donc, ils peuvent faire des prix qui sont tout à fait concurrentiels avec le fait de manger à la maison. À chose équivalente, j'entends. Hein. Bien sûr, tu peux toujours manger moins cher à la maison en mangeant pas grand-chose. J'espère que 2002 ça ira. Moi, je croise les doigts pour que 2002 ce soit OK pour venir. C'est tout le mal qu'on souhaite. Hein. Maintenant, quand on voit la campagne de vaccination, c'est pas gagné. Je pense qu'en France, le problème, c'est que dans la restauration, on ne se rémunère pas de la même manière. Ici, il y a peu d'emplois à plein temps, en fait, dans la restauration. C'est beaucoup de bateaux, beaucoup de petits boulots qui n'imposent pas les mêmes obligations salariales. Jamais été suffisamment pote avec un restaurateur pour pouvoir lui parler argent. Ça viendra peut-être. Là, les charges sur les salariés sont à peu près les mêmes. En fait, c'est qu'ils emploient beaucoup plus d'employés non salariés, donc des journaliers techniquement en termes français. Même pas des mi-temps ou quoi que ce soit, mais vraiment le statut journalier comme nous on peut avoir dans l'agriculture. Ce qui fait qu'ils sortent à peu près que le salaire. Ouais, des extras, ouais, voilà. Ça nourrit, ça fera pas grossir, c'est clair, c'est varié, on a du verre, on a de la soupe avec le miso,
on avait du poisson, un poisson gras, on a une bonne dose de riz. C'est une bonne solution lunch de nouveau. En France, ça coûte plus cher. Au Japon, il coûte moins cher. Japonais compagnie de coréen. Ils font de la boisson, pas coréenne, mais locale et internationale. C'est un bon petit restaurant. Et ils sont ouverts en ce moment. Ce qui est pas négligeable parce que j'en ai chié pour trouver un endroit en fait. Il y a vraiment beaucoup plus de business fermé là maintenant que dans les temps précédents. Ça devient vraiment dur. La différence aussi avec la France, c'est qu'au Japon, on reste moins longtemps à table quand même. Là, je suis là depuis. Depuis 30 minutes et je fais durer le plaisir. Les filles elles sont arrivées après moi, elles sont parties avant. Peut-être qu'il venait juste pour un lunch. Ça a été fait en 15 minutes. Je vous laisse 2 minutes devant mon assiette vide pour aller payer et je reviens. Le chat est tombé, les amis. Ah, il s'est mis à pleuvoir entre temps. Ah la merde. Ok, je pars sur le côté alors. On se met à l'abri 2 secondes. On part déployer le matériel. Hop hop hop. Voilà. Si je commence à vous balancer par terre, bah oui, c'est pas bon. C'est clair.
Alors, hop, on est là. Donc on va se balader un peu dans Umeda avant que je retourne à la maison pour m'occuper de la maison. J'ai le live de ce soir à préparer, j'ai encore rien fait, donc il ne faudrait pas que ce soit trop à l'arrache quand même. Donc voilà, on va juste faire une petite balade. Vous allez avoir 2-3 à-coups. Voilà. Encore. Un comme ça, et c'est bon. Tu dois partir au taf, et ben bon courage alors. Moi j'ai fini la première moitié du taf, donc bon courage à toi. Alors là on a une crêperie, la crêperie Chandler. Qui est blindé de monde, elle est correcte, c'est pas la meilleure crêperie, mais bon, c'est dur de faire de la crêpe au Japon, la farine n'est pas la même, donc on se retrouve rapidement à faire des crêpes japonaises, pas des crêpes à la française. Là, on a un café-librairie qui est connecté à l'université Kansai qui est là. Donc c'est bourré de jeunes. Ouais, c'est la Kansai University. Là. Et ils ont une librairie assez design à l'intérieur avec un café. C'est assez cool. Je ne vais pas rentrer dedans parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Mais un autre jour peut-être. Bah, tu peux faire un trafic de farine, oui et non, c'est qu'en fait, il y aura que les gens qui font de la crêpe française qui voudront acheter ta farine. Les autres, ils continueront à acheter la farine japonaise, qui est plus adaptée à ce qu'ils font, eux, en cuisine. Donc j'ai peur que tu passes pas des gros volumes. Surtout que le nombre de crêperies que je connais a tendance à baisser, donc... C'est la différence sur la farine, ça va être la façon dont elle est moulue et puis le niveau, la taille de la farine. La farine ici, elle est moulue plus fine, si je comprends bien. Elle accroche comme du sucre glace. Il y a des qualités différentes. J'ai mon pote qui avait une crêperie, il m'avait fait essayer et ouais, j'avais senti la différence au toucher de la farine. C'était vraiment très différent. On a une dame à l'ancienne finalement qui assouvit mon besoin de voir des bottes quand il pleut. Voilà. Mais il semblerait que ce soit passé de mode les bottes dont je parlais en fait.
J'ai demandé aux jeunettes qui m'entourent, elles m'ont dit ouais, non, dans mon entourage, ce style, non, ça se fait pas. Donc c'est une mode qui est passée visiblement. Et je pense qu'elle avait un mari étranger, la dame. Les enfants semblaient métis. D'où le fait d'en avoir trois. Qui est un peu plus lié à ça. Regardez-moi ce beau paravent qui nous parle de l'arrivée des Portugais, je pense. Ouais, il y a les Jésuites, c'est du Portugais là, je pense. Il nous parle du contact avec les Portugais. C'est une réplique, c'est pas un original. Hein. C'est un argument pour draguer les Japonaises ? Quoi donc ? Qu'on fait plus d'enfants ? C'est un argument de faire que en fait tu peux faire des enfants, ce qui n'est pas donné à tous les Japonais. J'ai eu plein de cas comme ça où des femmes étaient en couple avec des Japonais, elles n'arrivaient pas à tomber en cloque, elles quittent le mari japonais ou le mec japonais, elles se mettent avec un Européen et 2 mois plus tard elles t'annoncent qu'elles sont en cloque. C'est une réalité du terrain qui pourrait intéresser certaines. Je n'ai pas besoin d'attendre là en fait, je vais remonter la rue à gauche et la traverser plus haut. Ce sera en bas en mieux. Pas encore fait les petits morceaux de quartier là, alors on va aller faire de la ruelle si le signal passe. Hop, on va traverser ici dès qu'on nous le permettra, parce que nous on va traverser. Ils ont un problème de fertilité, oui. Qui, de mon expérience non scientifique et vaguement sociologique, semble plutôt du côté masculin que du côté féminin. On a déjà fait cette partie-là il y a quelques temps. On est dans la section qui fait du coréen là. Il y a un kebab aussi. Alors le problème des guiboles, c'est plutôt chez les femmes. Hein. C'est à cause du seiza, les abus de seiza. Une petite divinité, un des 7 dieux du bonheur qui sont arrivés par bateau, qui se retrouvent là pour améliorer le business. Des filles en uniforme de soubrette à gauche. Les habits de Seiza, s'asseoir sur les genoux avec les
s'asseoir à genoux avec les jambes bien repliées en dessous et les chevilles croisées sous les fesses. Et ensuite, quand elles se soulagent de cette position-là, en fait, elles ouvrent les genoux avec les mollets à l'extérieur. Donc elles mettent les genoux à l'intérieur et elles sortent les mollets à l'extérieur. Ce que j'appelle le papillon canard. Et donc ça leur flingue les chevilles et les genoux, ces positions-là. Il y a beaucoup de filles de sortie pour cette heure-ci quand même. Elle travaille tôt, mais il ne doit pas y avoir bézef de clientèle à cette heure-ci. Ça me paraît chelou comme idée, quand même. Là, il faut que j'aille... J'ai un but, hein, quand même. Faut que j'aille à droite. Il est chaud. Bah, c'est quand t'as pas de qualif et que c'est la crise, tu fais un peu quand même. Tu fais ce que tu peux, ce que tu trouves. Puis après t'as pas le jugement judéo-chrétien ici quand même. Hein, donc. Ce genre de choses, c'est un peu moins mal vu que chez nous. Parce que c'est pas autrement mal, c'est pas automatiquement de la prostitution, c'est des entre-deux. Qui peuvent être dignes. Pas obligatoirement. Ah oui, mais ça fait partie du job des filles à l'intérieur, en fait. Quand elles ont personne, elles vont faire le rabattage dehors. Elles sont pas payées que pour ça. Mais une partie de leur job, c'est d'aller faire le rabattage. Et c'est dans tous les jobs que tu as des trucs comme ça, quoi. Nous, en tant que prof, on a régulièrement des demandes pour aller distribuer des flyers dans la rue si on n'a pas d'élèves. Rabattage fait partie du boulot. Ouais, j'ai déjà eu des filles comme ça, oui. J'ai eu de tout. J'ai eu des filles qui étaient lycéennes et qui faisaient ça en petit boulot. J'ai eu des filles de Cabacola qui faisaient quelques services plus adultes. Et j'ai même eu une élève qui était en service 100% adulte. Et elle assumait, enfin voilà, on en parlait, elle n'était pas kéblo dedans. Elle ne le faisait pas par goût du cul, mais... Voilà, c'était un truc qu'elle avait été amenée à faire et puis bon, elle avait dit, bon, ça peut aller. Et donc elle gagnait sa vie comme ça jusqu'à ce qu'elle se marie avec un de ses clients. À la geisha un peu, bizarrement. On se rapproche du sanctuaire des amoureux. Mais on va dévier un peu avant.
Pour ceux qui sont en manque de grand écran, un grand écran ici. Il prévient contre les stalkers. Donc si vous avez des problèmes de stalkers, prévenez immédiatement la police, nous disent-ils. Je pense que ce qu'il faudrait pour les IRL, pour une partie des IRL en fait, surtout ceux en ville, il faudrait un petit chariot en fait avec des roues qui permettent d'avoir la caméra posée sur un mât que tu mets sur ton petit chariot. Genre un monopode sur un skateboard en gros quoi. Ce qui permettrait d'améliorer la stabilisation, puis tu peux pousser ta caméra, ça ferait des travelling plus sympa je pense. Si je me mets à bricoler, je m'intéresserai à ça. Vous vous souvenez que des Français qui, à 8h du soir, applaudissaient pour les médecins. Ici, les médecins, on les remercie en mettant un arigato. Ici. C'est le merci aux soignants qui est sur cette banderole. Non, ça bouge pas trop, mais je pense qu'il y aurait des effets plus cinématiques plus sympas. Avec un monopode sur un skateboard par exemple. On va partir dans les bas-fonds. On va partir par cette rue-là. Qui est chelou pour le moment parce qu'à gauche on a un gros bâtiment en construction, une grosse résidence de luxe. Et sur la droite c'est du vieux bâtiment avec des restos principalement et des bars. Ouais, celui-là, ce bar-là, il a quand même une ambiance sympa, non ? Le problème de la voiture télécommandée, c'est qu'elle est au ras du sol. Alors qu'un monopode sur un skateboard, ce serait à même hauteur que maintenant. Ce serait à hauteur d'œil, mais avec la même stabilité sur les travelling. À mon avis, il y a quelque chose à réfléchir sur la question. C'est les voitures télécommandées avec des caméras, ça existe déjà quoi, c'est, voilà, il suffit d'aller en acheter une. Mais il n'y a pas de graffiti au Japon, il n'y a pas de tag. Donc là il y a deux trois petites vues sympas que je remettrai en photo sur Insta le temps venu. Il y en a moins qu'en France des tags et des graffitis, oui beaucoup moins, mais cette influence américaine est ici aussi.
La plupart des machines, des machines automatiques de boissons sont des machines Coca-Cola. Hein. Ils ont une grosse part du marché. Hein. Donc on arrive dans un quartier où il y a des hôtels à amoureux, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est plutôt ce qu'on a à gauche. Là, il pleut plus, je peux lâcher. Allez, là, il y a deux choses intéressantes. Ce resto-là. Qui a une jolie gueule. Avec la roue devant et tout. C'est cool d'avoir ça. Et puis en face, il y a un établissement. J'ai pas l'habitude, donc je sais pas ce que c'est, mais... Les portes sont super petites. Enfin, super, elles sont très petites quand même. Les portes, elles doivent être à 1,60. Là, celle qui est là, là, celle-là, elle doit, c'est une porte qui est à 1,60 m, je pense. Le truc en plus, très simple, très épuré, hein, avec des tuiles traditionnelles sur le demi-toit. Ils ont mis des bœufs dessus, donc je pense que c'est un resto de viande, mais je suis pas sûr. Voilà, celui-là où il y a même des bruits, ils ont même rajouté des bruits d'oiseaux pour accompagner le décor. Enfin, ça fait un peu incongru dans le quartier, mais c'est quand même cool d'avoir ça comme décor pour aller manger. Oui, je veux passer par là pour voir l'autre truc. La rue parallèle, c'est une rue avec des hôtels où il y a des professionnels qui sont facilement remarquables. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des hôtels touristes qui sont construits ici et il y a aussi des restes d'hôtels de passe. On va appeler ça des hôtels de passe pour être cru. Et là, c'est un mélange étrange. Un passage du temps. Voilà, notre ami de Coca-Cola qui est ici. Je peux venir dans ce quartier-là pour manger aussi. Peut-être mieux en fait. Peut-être pas aussi bon marché. Mais... Elle reste pas entière longtemps en France alors qu'au Japon, ils peuvent rester des années sans aucun souci. Regardez ce gros poisson en bois. Ça donne envie d'aller manger du thon. Vous avez vu ça? Et donc, on va aller là à gauche. On va passer par ici.
les chambres de Love Hotel sont beaucoup moins amusantes que par le passé quand même. Elles étaient beaucoup plus variées et détendues dans le temps. Maintenant, c'est vraiment un setting canapé, petite table, lit, et puis c'est tout. Ça va pas plus loin, c'est triste. Burger et craft beer, les jeunes. Ça s'appelle Umbrella Rib. Hein? Craft beer et bar. Voilà. On peut acheter à la bouteille et on peut consommer sur place, disent-ils. Ils ont aussi des hamburgers. Donc le menu hamburger est à 950 yens. La craft beer est à 700. Vous avez un menu un peu plus luxe de steak à 1100 yens. Mais vous avez des tapas que vous pouvez prendre en même temps que vous buvez à partir de 400 yens. Donc, un Love Hotel à Paris. Je crois qu'il y en a un à Lyon officiel, mais je savais pas qu'il y avait des Love Hotels à Paris. Paris, c'est des hôtels de passe plutôt quand même. C'est pas le même délire. Là, on a un cimetière. Moi, j'en ai vu un très décoré dans le... en France. Thème très asiatique dans les chambres. Vraiment très richement décoré. Et c'était à Lyon, pour autant que je me souvienne. C'était pas du tout à Paris. Mais bon, voilà, sur cet exemple-là, ils ont pu en ouvrir d'autres. Hein. La France, je la sillonne pas. Hein. Moi, je la vois de très loin, donc vous savez mieux que moi. Hein. Le resto, là, a l'air sympa de viande. Le Onik. Niku voulant dire viande, c'est un super jeu de mots pas drôle. Ben, le calbidon à 490 yens. Bon, faut aimer les entrailles. Le pire Love Hotel de France, oh mon dieu. Voilà. Le Onik, 490 yens pour avoir de la viande sur du riz. Mais la viande, c'est des... Comment ça s'appelle? Des entrailles. Ah, c'est quoi le mot français déjà? J'ai oublié. Des abats, voilà. La viande là, c'est des abats. Voilà, je ne sais pas ce que c'est ici, mais deuxième étage et troisième étage, c'est interdit aux moins de 18 ans. Souvent, c'est plutôt des magasins, mais là, ça ne fait pas le feeling d'un magasin. Un service, faudrait se renseigner. Je pense que c'est un service chelou. Deux personnes en sont sorties et sont rentrées directement dans le Love Hotel le plus proche. Donc... un service particulier. Faut partir en investigation sur le champ. Hélas non, sinon vous n'aurez pas de live ce soir. Les investigations devront attendre un autre moment. Faut que je vienne essayer ce resto là que je vous recommande. Sans l'avoir essayé, donc faut que je vienne l'essayer. Mais rien qu'à sa gueule, j'ai envie d'y aller quoi, je pense qu'il est bien. Au niveau de ce qu'ils proposent, ça a l'air. Ils font toute la gamme.
Ça commence avec un lunch à 680 et il monte jusqu'à de l'anguille de luxe à 3008. Donc voilà. C'est quelque chose qui vaut le coup, je pense. Nikou, c'est viande, ouais. Bah. Ok, pour une raison étrange, mon gimbal a décidé de s'arrêter, mais c'est bon. Juste à côté, on a des choses tout à fait intéressantes. Dans le bon marché, là. Hein. Donc, Gyu Sujudon, donc c'est avec de la viande épicée, 450. Avec un œuf en plus, on se retrouve à 520. De la viande normale sur les pâtes, c'est 450. On tombe à 280 pour le plat le moins cher, qui est juste des pâtes avec du sésame. Mais non, t'as pas de rabatteuse avec les Love Hotels, puisque les filles, elles sont pas intégrées à l'hôtel. C'est les filles alpaguent le client quelque part et ensuite ça va se consommer à l'hôtel. Mais les hôtels, ils ont rien à voir avec le business des filles. C'est pas des maisons closes. Hein. Salut Lady. C'est deux business complètement séparés. Hein. Les chambres, c'est les clients qui les payent. Les filles, elles ne sont pas du tout à coquiner avec les hôtels. J'arrive à vous poser quelque part 2 minutes pour me libérer, pour me soulager la main. Parce que j'ai un peu la main droite en feu là. Comme d'habitude au début du stream. Et au milieu de tout ça, vous avez un temple tranquille, décontracté du bulbe. Regardez-moi ça, cette beauté. Plein milieu de ce quartier. La maison est vieille et décrépite, probablement pas très confortable, mais... Au Japon, en fait, les filles, elles sont pas du côté des hôtels. Tu as les filles que tu trouves en ligne, que tu vas retrouver pour aller à l'hôtel, mais elles font pas la rue ici, c'est pas des péripapéticiennes. Ils sont fous, le temple, il n'a rien à absoudre. Les bouddhistes, ils n'en ont rien à carrer de ce que tu fais de ton anatomie. Vous avez des problèmes à vous coucher si tard, les enfants. Faut faire attention, hein, ça ruine la santé de vivre trop la nuit. Hein. J'ai des amis qui étaient sur des shifts de nuit et ça leur a vraiment ruiné la santé. Hein.
Je cherche désespérément du signal. Non, j'ai pas de refresh et de fixe encore. C'est géré par Streamlab pour moi. Donc j'ai pas ces options là. Voilà. Ça revient. On va gérer Streamlab, gérer sa panique. Voilà. Ouais, j'ai une grosse zone blanche, ouais. Et le souci, c'est que Streamlab, dans ces cas-là, il buffer tout. Et en plus, quand il reprend le truc, il envoie une masse de données très importante. J'ai pas de fixe ou de refresh parce que c'est Streamlab qui devrait faire ça pour moi. Et ils offrent pas la fonction à l'utilisateur. C'est seulement leur soft qui fait une toute petite partie du job. Je ne suis pas sur de la technologie avancée comme Prose ou les autres anglophones. Je suis juste au téléphone, moi. Je suis mute. Là, tu m'entends? Est-ce que le son est revenu? Ah non, c'est bon, tu m'entends? Ok. Voilà. Tu pensais que je parlais. C'est parce que t'as un décalage. Je pense que t'as un décalage image et son, Red. Je vais vous remettre en caméra avant. Hop. On revient là à droite.
on a le sanctuaire des amoureux qu'on a déjà vu en live. Sur la gauche, on va avoir Kitashinchi qu'on a déjà visité là-bas. Donc on va juste s'intéresser un petit peu au bâtiment au milieu là, pour finir le stream d'aujourd'hui. Salut aux Obimou. Tu arrives sur la fin là. Là, c'est Kitashinchi, le quartier chaud. Derrière moi, on a le sanctuaire des amoureux qu'on a déjà fait. On a déjà fait les deux. Et on va juste revoir un petit peu plus ce bâtiment là qui a un jardin au deuxième étage. Aujourd'hui hein, le point culminant en fait c'était simplement le déjeuner. Je vous invite à aller regarder le début du live tout à l'heure pour voir ce que j'ai mangé et combien ça coûtait. Non, non, j'ai pas de chewing-gum, non, non. J'ai ma barbe qui... j'ai ma barbe qui me gêne, mais j'ai pas de chewing-gum. Cette petite allée couverte d'arbres qui est bien pratique en été quand ils s'amusent pas à tailler les arbres juste au début des chaleurs, ce qui est souvent ces dernières années. Mais bon, tant pis. Donc là, on est dans une influence qu'on trouve aussi France des années 60-70. Petit côté Beaubourg. Voilà. Ça a été abandonné, point de vue techno, les escalators marchent plus, mais avec des jolies marches en briques qui glissent, ouais. Allez, au deuxième étage, on a une petite partie jardin pour les fumeurs, et là, on a une vis d'accès à un grand parking souterrain. Ils nous ont mis un spot d'observation ici. Je sais pas trop pourquoi. Mais j'ai essayé de faire un peu de photos sur le croisement en face. Avec les arbres, on peut s'amuser à 2-3 trucs. Il y a 2-3 commerces qui sont sympas sur l'autre côté. Ah, du coup ici on est mieux aligné pour voir. Ça peut avoir des vues intéressantes à certains moments.
Il fait bien lourd, bien humide. Hein. Et puis, ils ont fait un petit jardin détente ici sur lequel s'installe régulièrement le loto pour les montants spéciaux. Ce que vous voyez là, c'est pas de l'herbe entretenue, en fait c'est de l'astroturf, c'est de la fosse, c'est du faux gazon qu'ils mettent dessus. Mais c'est bien, ça fait un peu de vert dans la ville, c'est cool. Les gens dès qu'il fait beau viennent se poser dessus. Et puis on a une sorte de centre commercial qui est en dessous. Je ne l'ai pas encore tenté, j'ai vraiment peur que le stream passe pas. Mais il y a beaucoup de petits restos sympas. Ben, ça doit avoir un mot en ça doit avoir un nom en français, l'astroturf, mais je sais plus. Du gazon artificiel. Gazon synthétique. Ben, je trouve que astroturf, ça fait quand même mieux, quoi. Il glisse pas trop en plus, c'est ça, c'est pas mal. Et les Japonais, sans problème, ils viennent là, ils posent la bâche et ils font un pique-nique ici. Hein. Il y a zéro souci. Hein. Là, on repart, si on prend l'escalator, on fait le tour du nouveau bâtiment qui est en construction. Là, c'est assez cool. Il y a un bâtiment là en face qui a un design un peu chelou, qui est assez sympa aussi. Fermé la plupart du temps maintenant, donc bon, c'est dommage. S'il était habité, il y aurait probablement des choses encore plus sympas à faire. Mais il a un design un peu space. Je vais jeter un œil au bâtiment Emma pour voir ce qu'il devient, parce qu'il était en grande réfection intérieure et je sais pas s'il est en train de faire faillite ou s'ils étaient en réfection prévue avant le Covid ou je ne sais pas. Donc je veux jeter un œil pour voir comment ça évolue. Oui, le bâtiment Chauben, il a quelques années déjà. Ouais, je m'inquiète pour Emma, hein, parce que maintenant, l'espace événementiel qu'ils avaient fait tout mignon, il est de nouveau complètement démonté. Bon, il y a un Starbucks qui s'est invité au rez-de-chaussée. Oui, il y a le loto et puis c'est des sommes pas dégueulasses quand même. La cagnotte là, c'est 5 au coup. Donc ça veut dire 5 et 12 zéros. Donc 5000 milliards. Non, pas 12. Si, 12 0. Non, attends. Man au coup. Non, go au coup. Non, 8 0. Donc 5, 8 0. Donc ça fait 500 millions d'yens à gagner. Voilà. 500 millions d'yens. Ça commence à être pas dégueu quand même. Ils avaient tout un étage qui était consacré à la. Hoku, pas Koku, Hoku. Non, c'est pas pour le riz celui-là. Koku pour le riz, oui, mais Hoku, non. Ouais, le Starbucks est tout récent. Hein. Je l'ai jamais vu encore. Je suis pas sûr qu'il soit même ouvert, en fait. Et avant, vous voyez, là, vous avez le Cydia Arc'teryx. Avant, là, il y avait tout un étage qui était sur la rando. Mais visiblement, depuis l'ouverture de Grande Fronte, ils perdaient du business et les gens sont partis, les magasins sont plutôt partis s'installer à Grande Fronte. Donc je ne sais pas du tout ce qu'ils peuvent avoir, s'ils peuvent essayer d'avoir maintenant dans ce bâtiment-là. Qui tout en haut, hein, toute la partie qui n'est pas vitrée là-haut,
ça c'est un cinéma. Donc voilà, j'y viendrai moins s'il n'y a plus les trucs de rando, parce que moi je venais pour le matos de rando, mais voilà, ça me ferait chier que le truc disparaisse. Mais en saison des pluies, il pleut toutes les 10 minutes et le mec est en train d'astiquer sa voiture. Je comprends pas. Mais c'est un chauffeur en fait, c'est une voiture de maître. Donc faut qu'il justifie son emploi quand il n'est pas en train de conduire. $500 millions. Et là, dans la DT Tower, on a un Seattle Best que moi j'aime bien utiliser parce que il est pratique pour le boulot. Ça fait au moins 15 ans que je le pratique, ce café-là. Et là, devant les bâtiments Ikimae, vous avez là un petit sanctuaire ici que vous avez déjà vu en photo sur mon Instagram. C'était un H aspiré, Hoku. Le Kroku, c'est une boisson du Nord, inventée par Red. Là, c'est un espace de travail, c'est quand même un peu par rapport à 10 ans en arrière. Il a beaucoup changé ce coin, tu veux dire les bâtiments dans l'ensemble ont plus de 15 ans. Ils ont plus de 15 ans. Là, ce quartier-là, là, tout de suite ici, a pas bougé depuis que je le fréquente au point de vue extérieur. Là, travailler dans ces bureaux-là, faut quand même vouloir, quoi. C'est un petit peu lourd, je trouve, quand même, de s'installer là-dessus. Là, ce quartier-là, par exemple, la tour ronde, elle doit dater des années 60. Ces bâtiments-là, cubiques, ils datent des années 50. On voit mieux le sanctuaire qui est installé là. Il n'y a que cet immeuble-là, où il y a le Seattle Best. Il doit dater fin 90, début 2000, je pense. Mais voilà, c'est tout. Le reste, ce quartier-là, je l'ai toujours connu comme ça, il n'a pas changé pour le moment. Il y a des vélos qu'on peut louer, qui fonctionnent avec la boîte du métro aussi, ici. Vous pouvez récupérer l'appli. C'est pas donné, mais c'est quand même gérable. Et c'est des vélos électriques. Donc si vous cherchez le nom, c'est Hub Shadi.
et ça fonctionne comme ça. Vous avez le QR code ici et sinon c'est docomo-cycle.jp/osaka/. Donc on a des solutions pour ça sur Osaka. J'ai même vu des Uber Eats louer ces vélos-là pour le boulot. Maintenant, si on sort un tout petit peu du quartier où on est, là, si on va juste à l'heure sur la limite, là, par contre, j'ai vu beaucoup de choses changer. Parce que ce bâtiment-là, il est en construction maintenant. Hein. Je l'ai connu totalement autrement. Et la gare également, je l'ai vue refaite. Elle n'avait pas du tout cette gueule-là quand je suis arrivé. Donc ça, par contre, la partie gare, ça a extrêmement changé depuis que je suis là. Mais ça, là où on était juste avant, qui est vraiment là, juste derrière dans mon dos, là, zéro changement. Voilà, voilà. Sur ce, on arrive à la fin de notre expérience du jour. J'arrive à avoir une petite vue sur voilà, la gare d'Osaka. À chaque fois que je vois des noms qui passent, c'est des noms japonais. Donc non, je pense que étant donné toutes les règles sur les protections antisismiques, etc. À vue de nez, je dirais qu'il c'est vraiment de l'architecte local. Je vois même pour le stade olympique à Tokyo, ils ont viré l'étrangère et ils ont mis un japonais à la place. Très rapidement, quand il y a eu un mini soi-disant scandale sur le design du truc. Donc non, c'est très très japonais le marché de l'architecture ici. Okay, merci beaucoup d'être passé aujourd'hui, peut-être à ce soir pour ceux qui pourront. Ce soir, on retravaille un peu comme dimanche, on va retravailler sur le quiz. Je ne sais pas si je vais le faire en français ou en anglais encore, mais voilà, on est sur ce concept-là. Pour ce soir... de mon côté, j'ai de la bande légèrement fluctuante, mais 30 fps. Là, j'ai posé le truc, hein, je marche plus. Hein. Voilà. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour ceux qui pourront.